a pas de cerveau, puisque c'est la bonne cause. La dernière fois que tout le prêtre de la terre était revêtu du sang du Christ, de la chasuble, du rouge, de la chasuble sacerdotale, c'était le vendredi saint. Et ça, c'est beau ça. Et le Pentecôte, c'est toute la terre, toute l'orbe de la terre, toute la terre est enveloppée du sang du. Le sang versé reçu par Marie et le sang abreuvant toute la matière vivante de notre univers et de la terre. Le sang d'amour, le sang de la respiration de Dieu, la respiration, on pourrait dire, sanglante et embrasée de Dieu. Le renouvelle, c'est un renouvellement total du visage de la terre. Envoie Seigneur ton Esprit Saint qui renouvelle le visage de la terre. C'est-à-dire la capacité de se déployer dans toutes les formes de l'amour possible. Le corps spirituel, la matière, trouve un autre visage. Dans le Bereshit, la matière était portée dans une certaine hypostase. Le Bereshit, d'ailleurs, le principe de l'amour créateur de Dieu, le Saint des Saints, est tout entier déployé de manière enveloppante, puisque elle descend dans le Bereshit à l'intérieur de cette hypostase de la matière, et la terre va être renouvelée. Si Dieu est créé par amour, une matière d'amour, c'est parce qu'elle est une capacité, une puissance, une possibilité de revêtir intérieurement toutes les formes. La matière, elle est faite pour être revêtue miraculeusement par la puissance d'amour de Dieu et de lumière. Toute matière, elle est faite. Elle peut être investie à l'intérieur d'elle d'une nouvelle forme d'amour. Dans la main du Bereshit, dans la main de l'amour créateur de Dieu, dans le Saint des Saints, la matière, elle est créée par Dieu en lui, si je puis dire. C'est une hypostase. Il y a une union hypostatique, je veux dire, par là.
tout le déploiement ensuite de la création, la raison créatrice de Dieu, comme dit Paul Benoît, la raison créatrice de Dieu qui se déploie, fait que la matière devient une lumineuse, une vivante, pas toujours vivante, mais parfois lumineuse, parfois vivante, et toujours en puissance, une capacité, les trois à la fois, à se déployer à un nombre infini de fois dans de nouvelles formes d'amour créateur, d'amour, toutes les possibilités de l'amour. Là, c'est la seule fois d'ailleurs où on peut dire que c'est infini. Il y a dans la matière quelque chose d'infini, dans toutes les capacités possibles de l'amour. La Pentecôte, hein, je ne sais pas si vous avez entendu comme moi, vient l'Esprit Saint. Tu renouvelleras la face, le visage de la terre. C'est la matière primordiale, c'est la terre promise du Messie, c'est le corps de Jésus. Et c'est aussi la matière vivante de l'Immaculée Conception. Les trois grandes formes principielles de la matière, lorsque elles sont créées à l'intérieur de la grâce, ces trois déploiements se rassemblent dans le mystère de l'ascension, parce que dans l'anastase, on retrouve les espaces intérieurs du récit, ce qui enveloppe et puis se concentre dans la création de notre univers et dans la face de la création d'amour à l'infini, à travers le lumière hypostatique de Jésus, recueilli dans le sein éternel du Père, dans le déploiement de l'ascension. Parce que l'anastase et le Bereshit se sont rassemblés avec la voix de l'Immaculée Conception, les trois formes de la matière, habitées intérieurement par la lumière et le visage de la grâce. Immaculée de Dieu sont déployés dans un nid intérieur par l'ascension, l'anastase, le parachute, se sont mélangés et ont permis ce déploiement de l'anastase, du parachute, l'immaculée dans sa foi, dans toutes ses potentialités de fécondité ancrée et quasi ancrée. Avec ce flux et ce reflux, il a créé un nid dans le sommet du déploiement de l'ascension, un nid extraordinaire sous forme de coupe, si je puis dire. Enfin, c'est plutôt Saint-Jean qui me décrit comme ça. Et cette coupe recueille les émanations devenues incréées de l'agneau de Dieu qui respire, qui souffle l'Esprit Saint, c'est-à-dire qui glorifie le Père et le Fils est lui-même glorifié par la victoire d'amour qui a possédé le visage intérieur de toute possibilité d'amour possible. Et après le déploiement, l'ascension, ce nid dans lequel se déploie, s'ouvre. Cette coupe, si je puis dire,
se déverse, dès qu'elle voit que dès qu'elle voit l'église. C'est ça, hein? Cet esprit est envoyé par le Père dans la présence de l'agneau immaculé. Il prend ce qui est intime à la présence de l'immaculé dans toutes les formes possibles, de la mort, de la matière, jusqu'à nous, et puis jusqu'à l'intime de la créée de Dieu. Et ce triple déploiement dans Marie, lorsque il se tourne comme ça, au bout de 50 jours, il se tourne Pentecôte, il se tourne et du coup il descend. C'est extraordinaire parce que l'amour du sang de Jésus dans la croix glorieuse est monté. C'était l'amour montant. Et la Pentecôte, c'est l'amour descendant. Et avec la manière, si je peux dire, de la foi en plénitude d'immaculation de l'Église tout entière. Et alors, je crois que j'aime bien. Tout le monde aime la fête de la Pentecôte. Enfin, c'est pas une fête d'ailleurs qu'on aime, hein, c'est mais le Saint-Esprit, Marie. Marie et le Saint-Esprit. Marie, cet amour élevant qui pénètre. Et cet amour descendant et recevant. L'Esprit Saint et puis l'Immaculé, c'est l'Immaculé déployé dans la terre promise, c'est le corps mystique entier vivant de Jésus vivant, dans la foi recevante. L'Esprit Saint est donné en fonction de Marie. La Pentecôte elle est mariale. Le pape, cette année, en 2019, a voulu. Il a ouvert les portes du ciel à la terre pour que la Pentecôte d'aujourd'hui elle soit mariale. Et omnia creabuntu et tout sera créé. Elle est mariale. Elle est mariale. Elle n'est pas seule. Elle est mariale parce que l'amour de Dieu entièrement investi, englouti, disparu dans la foi de Marie, dans la chair de Marie, dans la plaie gigantesque, énorme, puisqu'elle dépasse les limites et les frontières de notre univers, tellement elle est grande, elle se déploie dans l'anastase, la plaie intérieure de Marie, dans le corps, la terre mariale, la terre du principe d'amour se déployant à l'infini. Elle dépasse même la chair du Christ qui s'est déchirée en deux, pour qu'avec son sang, pénètre à l'intérieur de la coupe, l'agneau trône dans l'incrédulité. La plaie
enivre, la petite. Qui enivre. Qui enivre. Pour l'éternité, l'époux, la première personne de la très sainte Trinité. Comme si Jean de la Croix, j'aime de plus en plus cette expression de Saint Jean de la Croix, d'un régal éternel de Dieu, régal à la. Elle est adaptée au déversement de la coupe en elle parce qu'elle prie avec les frères, parce qu'elle prie, parce qu'elle prie, parce que elle, dans l'amour ses parents, elle s'est engloutie, elle a disparu, elle a donné tout ce qu'elle avait dans tous les frères, dans tous les membres vivants de la terre promise. La prière de l'Église, c'est une prière commune. Saint-Esprit n'a rien à voir. C'est toutes les multitudes, toutes les nations. L'Esprit Saint, grâce à Marie, prend un visage intérieur, marial, immaculé, de fécondité, d'assomption. Et cette coupe se déverse en elle, à l'intérieur de cette union de l'un, le vivant du Saint des Saints, de la réceptivité de la Pentecôte. À ceux qui me reçoivent, je leur donne d'être des enfants de Dieu pour voir la vérité tout entière. Le Saint-Esprit vous fera voir, pénétrer, être compréhensif de tout ce que je vous ai dit, de tout ce que le Père prononce dans l'éternité et dans l'incarnation et la glorification de mon nom. Du Saint-Esprit, sinon j'aime toujours beaucoup aimer cette forme de cette coupe qui est un petit peu comme l'Esprit Saint qui fait le trône à l'intérieur du monde incré de Dieu dans l'au-delà de l'ascension, si je puis dire. Et on peut dire l'agneau, il trouve son trône dans l'Esprit Saint. Et cette coupe se déverse. Elle descend jusqu'à nous. Je sais pas, je trouve ça tellement réconfortant, consolant, quoi. Le consolateur, cette coupe verse ce qu'elle est. C'est tellement consolant de voir cet amour descendant. Dans l'Apocalypse, on le voit très bien. Quatorzième chapitre, c'est un amour descendant. C'est un chemin de croix descendant, paternel. Il y a quelque chose de sponsal dans la Pentecôte. Hein. La coupe, c'est ça, Joseph purifié. Et il descend comme ça. Cette sponsalité. Là. Et c'est très consolant. Quand on est sur la terre, quand on est dans la grâce de Dieu. Savoir que les portes de la Jérusalem s'ouvrent, c'est-à-dire de la grâce de Marie répandue dans toute la terre promise du corps mystique vivant et vivant, qu'elle s'ouvre, qu'on voit, et à ce moment-là, l'amour est descendant. Et cet amour, il a des caractéristiques dans son approche des dons du Saint-Esprit, c'est vrai. Sept dons du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas les sept dons du Saint-Esprit, Saint-Esprit. Les sept dons du Saint-Esprit, c'est les étincelles du Saint-Esprit. Comme disent les orthodoxes, c'est les énergies du Saint-Esprit. Ce sont les énergies du Saint-Esprit. Dans la Pentecôte, c'est un mystère sponsal, c'est une consolation inouïe. Une prolongation de l'éternité incréée de Dieu dans le monde créé de l'Église. Il devient l'incarnation du terme des processions incréées de Dieu. Comme on l'a dit hier, de l'épousette,
et de l'Esprit Saint dans une seule promulgation des processions, ce recueillement attire le fait qu'il y ait une affinité entre Marie et l'Esprit Saint, entre Marie dans le corps mystique de Jérusalem déployé et accompli, et l'Esprit Saint. Et j'aime bien, je reconnais, que je sais pas, j'ai toujours. Attiré, je sais pas comment dire. C'est pas attiré, mais la description. Il y a des descriptions, il y a eu un phénomène extérieur quand même. Ils ont vu quelque chose. Marie, elle a vu quelque chose intérieurement et extérieurement. Dans le sein des saints, l'âge d'alliance intime, où elle s'était engloutie avec les apôtres en prière. Prière commune, une seule prière. C'est pas la prière de Marie, c'est pas la prière à côté des apôtres, non. C'était une prière ensemble en même temps, unanimement, qui durait ensemble. Ils ont vu quelque chose. Alors, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, les descriptions ne sont pas toujours les mêmes. C'est vrai, les descriptions ne sont pas toujours les mêmes. Il se fit un grand vent. D'autres, le feu, ah bon, du feu, du vent, du feu. Et d'où ça venait? Et j'aime bien, donc, c'est ce que j'essaie de sortir depuis tout à l'heure, j'aime bien la description extérieure qu'en fait Anne-Catherine Emmerich. Avant, je sais pas, m'a toujours, toujours aimé ce que Jésus. C'est l'amour ascendant qui monte à la droite du Père. C'était sur le mont des Oliviers, là. Il est monté à la droite du Père. Quand je suis monté à la droite du Père avec Jésus, toute mon anastase, qui dépasse largement dans ces espaces intérieurs, les espaces de notre univers, l'espace de l'anastase résurrectionnelle dépasse largement les myriades de fois les espaces de notre univers. Ces espaces sont pleinement habités par le corps vivant de Jésus. Et c'est avec ça qu'il monte. Et cette anastase, donc, se déploie dans cette montée à l'intérieur de l'ascension. Et donc, quand la coupe se... Pourquoi je parle de la coupe? Parce qu'elle fait une description, elle dit là, ici, à cet endroit-là, au mètre près de l'endroit où les pieds de Jésus sont montés dans les nuées, disparus dans les lumières et les gloires. De ce même endroit de la terre, il y a eu quelque chose qui s'est ouvert. Qui a émané de la terre promise, le dernier endroit où les pieds de Jésus posaient la terre. Il y a une émanation. Et cette émanation, elle était un peu comme une colombe, si vous voulez, c'était l'Esprit Saint. C'était la mission invisible. La procession du Saint-Esprit a trouvé une prolongation là. C'est prolongé. Dans une réalité visible. Elle a pris forme à cet endroit-là. Et puis, elle a pris forme, ça. Elle est vivante, hein. Comme au baptême de Jésus, c'était très, 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 très vivant. L'intimité de la présence du Saint-Esprit, personnelle du Saint-Esprit. La manifestation visible de l'Esprit Saint, invisible. Mais ça, c'est parti, là. C'est parti. Anne-Catherine Emmerich, je sais pas, je suis toujours. Aimer ça, cette émanation qui, du Saint-Esprit, qui fait le lien, du coup, de la terre, sur ce monument des oliviers.
chair ouverte, dans le Christ émane les parfums de la glorification du Père dans le Christ de l'homme. De manière sponsale, il y a quelque chose qui a émané, sorti, il n'est pas sorti de la terre, attention, il en a émané. Pas du tout pareil. Il y a cette forme, le Saint-Esprit a pris cette forme vivante. Vivante, immaculée, répandante. Et il a volé comme ça au-dessus. Et il est allé flamboyante, si on veut. Je vais vous dire à quoi ça ressemblait, moi. Ça ressemblait au feu incréé qu'on trouve, qui sort à la Pentecôte, qui est mal. De la pierre inerte du tombeau de Jésus. Cette lumière, c'est ce feu incréé qui est blanc, mais vivant, qui transfigure immédiatement. Et c'était cette forme-là, c'était comme ça qu'elle était. Et elle était vivante et elle s'est envolée, mais à la vitesse de la délicatesse immaculée de Marie, en fait, se déployant gentiment, tranquillement, dans la terre toute entière de la prière commune, de l'union transformante en commun de l'Église toute entière. C'est Notre-Dame de la Pentecôte. C'est là qu'est née l'Église. Et cette colombe, qui n'est pas en forme de colombe, mais avait la forme d'une coupe. Ah, ça, qu'est-ce que j'aime. Mais c'est une coupe et en même temps un envol. C'est une coupe qui est venue, enfin, c'est l'Esprit Saint, mais avec cette forme, hein, qui est venue au-dessus de la ville de Jérusalem. Ce vol comme ça, du souffle, du vent, de l'intimité profonde. Troisième personne, la très sainte Trinité, dans le déploiement visible du terme de la procession qu'il est dans l'incré, en petite hypostase. Elle vient comme ça, surtout Jérusalem, et puis de Jérusalem, il est comme venu se poser sur le toit. Il l'a transfiguré, hein. Saint-Augustin, traversant la maison, comme Jésus a traversé la demeure du Immaculée Conception à Noël sans l'abîmer, dans un souffle de lumière transfigurante, responsable transfiguré. Le toit a disparu et cette présence est venue fou. Elle était vivante, elle allait non pas dans Marie, mais elle émanait, elle cherchait son émanation. Et comme Marie était parfaitement et totalement intime à la prière de tous dans l'unité d'une horizon transformante de l'Église jusqu'à la fin avec elle, et bien le Saint-Esprit, du coup, ben, avec ce feu, cet amour descendant, ben, il est venu donc fondre. Il s'est fondu en chacun. Et chacun, du coup, chaque être humain, dans cet événement-là, dans ce don-là, dans ce don que Dieu a fait à la terre, à sa création, qu'il l'a créée par amour pour ça. Chacun, chaque personne humaine, chaque âme humaine, chaque conception humaine a pu être atteinte par cette Pentecôte où ça est venu se fondre dans chaque conception, dans chaque être humain, dans chaque âme humaine. De visiter
chaque être humain doit faire cette Pentecôte. Et chacun, il a pris le langage de chacun, de chaque être humain, de chaque communauté humaine, de chaque famille humaine. Dans cet esprit, s'exprime comme ça dans la langue de Marie. C'est une langue particulièrement ineffable, extraordinaire à entendre quand le Saint-Esprit s'exprime à travers la langue. De Joseph, c'est tout à fait autre chose. C'est en même temps, c'est toutes les langues, chaque visage intérieur de chaque conception déployée dans la louange éternelle de la glorification de Dieu. La voix de Jésus, Vox Christi. Chacun d'entre nous, le Saint-Esprit vient s'écouler à l'intérieur de chacun d'entre nous, dans la mesure où nous sommes dans la charité d'une union accomplie en plénitude reçue, de la transformation du mariage spirituel accueillant et recueillant cet amour descendant à ce moment-là, la voix qui émane de nous. Je me rappelle que on m'avait envoyé une cassette, je crois que c'est en 72, quelque chose comme ça. Et dans cette cassette, on entendait quelqu'un avait enregistré l'apparition de Marie à Garabandal, et elle la prenait, du moins, les enfants marchaient comme ça, en arrière, et en ascendant. Et Marie descendait comme ça vers elle, et ce mouvement était. Et Marie disait, je vous salue Marie, Ave Maria, je vous salue Marie en espagnol. Et la petite, qui avait mis un micro plus proche de la bouche de la petite, et elle répétait ce que disait Marie. Et à un moment donné, on entend, c'est prodigieux d'ailleurs, enfin, moi je trouvais ça très touchant en tout cas. À un moment donné, on entendait le souffle de Marie qui disait pleine de grâce. On l'entendait à peine, il fallait vraiment faire l'amplification, un saut. C'était un saut. Et la petite qui répétait presque en même temps qu'elle, mais avec une voix, un langage différent. Le langage de la petite Conchita en extase, c'était une autre voix, mais elle était en affinité avec la voix et le langage de Marie. Chacun. L'Esprit Saint s'exprime dans un langage qui est le sien, dans toutes les langues, dans toutes les langues. Et bien en entendant la voix de la petite, j'étais debout, je me rappelle, je suis tombé par terre, tellement c'était incroyable. Assis, quoi. Un fauteuil, je me rappelle, c'était un petit fauteuil, et il était gris. Rien à voir avec le fait de la Pentecôte, mais il est venu, et il s'exprime, et les disciples s'exprimaient dans toutes les langues. Le visage, la face de la terre, le visage de chacun devient peu et devient.
descendant de Dieu et glorifiant le Fils de Dieu de manière telle qu'il fonde dans un nouveau visage qui est celui qui est possible. Et le pape, il veut, hein, que, il demande, il ouvre en tout cas. Cette fête de la Pentecôte, la première fois, où eucharistiquement, l'amour descendant de la Pentecôte dans la fécondité de Marie glorifiée, assumée dans la créée de la fécondité avec l'époux, c'est une Pentecôte spensale de l'épousée entière, à la fois incréée et quasi incréée, dans le monde créé de la Jérusalem nouvelle qui vient. C'est trois qui remplacent la triple création. De la matière, dans le récit du Babylé, conception de la terre promise. Qui a un triple visage, qui a été transactué, transglorifié. Et ça, c'est nous, cette transsubstantiation eucharistique mariale, la Pentecôte d'aujourd'hui, c'est de vivre, réaliser, comprendre, dire oui à cette mutation d'amour. C'est pour ça que je la Pentecôte aujourd'hui, c'est strictement impossible de faire un serment. On ne peut pas faire un serment, on ne peut pas se permettre. La seule chose qu'on puisse quand même évoquer avec crainte et tremblement, c'est que ça fait 50 jours. C'est 50 jours. C'est 50 jours à la Pentecôte. Le souffle d'amour descendant de Jésus qui descend dans Marie. Dans la seconde qui. Où il s'attache, il s'engloutit en elle, disparaît en elle et en tout ce qui va être produit d'elle. Dans le sacerdoce. De l'instant de sa mort, et du coup, elle a une responsabilité. Elle se répand en premier, bien sûr. Et cette lumière, ce souffle de Jésus, c'est le, il donne son esprit au Père à travers elle. Et l'esprit de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Et cette Pentecôte qu'elle reçoit, qu'elle recueille dans le sacerdoce de sa communion d'amour et de prière. Et de transformation divine au pied de la croix avec Saint Jean. C'est cool. C'est cool. Dans la réceptivité de ta promesse, de l'âme déchirée, de ses épousailles, présente de la matière, de son mariage attirant. Attirer la supervenue du Saint-Esprit pour l'incarnation et a établi la nature humaine créée immédiatement à l'intérieur de la lumière de la vision béatifique à travers le Père, c'est le Père. Elle a vécu ça et cette première Pentecôte, c'est la Pentecôte principale. Pentecôte principale, c'est une Pentecôte sacerdotale, victimale et mariale, dans la responsabilité. Et là, pendant 50 jours, cette grande montée de l'amour de la Pentecôte, son pèlerinage, et c'est ce pèlerinage-là
ce pèlerinage en Marie. Ça s'installe victime à la mort dans le fond de sa spontanéité qui a pénétré dans le face à face. En la nature elle-même pour la première fois, ce qui s'est déployé ensuite dans la chair de l'Anastase. C'est ce pèlerinage de 50 jours qui se déverse sur. Simplicité, une déliciosité, un régal qui régale et enivre la première personne de la Sainte Trinité. Ce sont ces 50 jours qui nous ont donné ce souffle, cet aller-retour, ce flux et ce reflux. La Pentecôte, elle est mariale où elle n'existe pas. C'est la seule chose qu'on puisse suggérer. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous rappellera toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui nous fait voir, découvrir, y trouver nos délices. Et y trouver les délices de la première personne, la Sainte Trinité. Et la poigne, à ce moment-là, l'hypostase de l'épouser. Donne un nouveau visage à l'Église dans la Jérusalem nouvelle et l'ouverture des temps. Et nous en sommes ensemble, dans l'unité et l'unanimité, la purification, quasi agréable, immaculée, déployant sa fécondité elle-même, à l'intérieur des processions sacrées. Nous en sommes les instruments, les récepteurs. Nous en sommes l'arche d'alliance intime intérieure dans la terre promise. Et c'est sur cet autel et à l'intérieur de cet autel, dans ce temple du souffle du Saint-Esprit, nous célébrons la messe. Le Saint-Esprit nous montre ces choses, pas seulement de manière compréhensible. Les compréhenseurs, comme il disait au Moyen-Âge, pas seulement de manière contemplative, mais de manière pénétrée, incarnée. C'est ça, donc, la Pentecôte. Mais oui. Et en entendant en même temps la manière dont le langage et la face de ceux qui sont autour de nous l'expriment, ce mélange merveilleux, se fait, se fera voir, et se fait voir dans le mariage spirituel de la raison. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Quand je serai auprès du Père, en mon nom il vous enverra, et le Saint-Esprit sera votre consolation. Votre consolation, parce qu'il faudra vous rappeler, faire mémoire, c'est de rendre réellement présent, de manière vivante, lumineuse et libre, tout ce que je vous dis. Le langage du Fils unique de Dieu, du Fils venant sur les nuées, c'est le langage de l'imposer. Et du coup, l'épouser, et l'Esprit Saint. Tout ensemble pour faire ce vent du feu agréé de la Pentecôte. En disant viens. Et quand on sera rempli de Notre-Dame de la Pentecôte, 27 Pentecôte mariale, lorsqu'on sera inspiré, élargi, transformé en colombe, nous qui sommes pour l'instant qu'un petit grain vivant, doublé, prêt à éclater seulement, et à pourrir dans la terre, à se transformer en colombe. Alors à ce moment-là, la Jérusalem nouvelle prendra
le langage de la poussée, c'était une autre langue encore. L'Esprit Saint parlait dans toutes les langues. C'est impossible de faire une. C'est impossible de faire une. Un enseignement sur la porte de côte. Parce que ça sauve. Ça fait un gré. C'est immaculé, c'est tellement délicat. Mais on peut mettre juste des jalons comme ça. Pour dire voilà. À quoi nous nous disposons. Voilà, pour le passage de la Jérusalem dernière à la Jérusalem glorieuse. Nous sommes ceux qui recevront le feu, le souffle et le parfum du paraclet pour être des instruments par la foi unanime, persévérante dans l'instant, vivant chaque instant présent, vivant et vivant de cette porte-côte pour faire passer la Jérusalem nouvelle de l'Église fondue dans l'Esprit Saint. Jérusalem glorieuse, dans ce passage. Alors, dans l'espérance et l'amour compris, donne le visage véritable de l'Église qui est née le jour de la Pentecôte. Qui était conçue dans la Pentecôte de la Croix, dans le cœur de Marie. Credo in nonum Deo, Patrem omnipotente, Factorem celi et terre, Visibilium omnium, et invisibilium, et in nonum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patre nato, a te omnia secula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, zenitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de cis et incarnatus est de Spiritus Sancta ex Maria Virgine et homo factus est. Et crucifixus, et siam pronomis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus. Et resurrexitatia die, secundum scriptum. Et ascendit in cielo, sedet ad dexteram patris, et iterum ventus est cum gloria. Judicare vivos mortus, cuius regni non eret fin, et in spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex patre filio qui procedit, qui cum patre et filio simul adorato, et cum glorificato, qui locutus et per profeta.
Et ana sancta catholica. Et apostolicam ecclesia. Confiteorum baptisma. En remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vita venturi secoli. Amen.